beaucoup de peintres, il leur faut un sujet tout fait d'avance, tout cuit. Ils s'installent, puis ils ont trouvé un motif. Ils tâchent de le reproduire le mieux possible à leur manière. Mais dans le cas de René Gagnon, c'est une sorte de virtuose de la nature au point de vue visuel. Il est devenu tellement familier avec l'eau, avec les rochers, avec les arbres, les montagnes, etc., que les éléments lui sont comme immédiats. Le paysage n'est que la raison pour peindre. Comme le personnage ne serait que la raison aussi pour peindre, que la maison ou le chemin serait que la raison pour peindre. Moi, je n'ai pas besoin de cette raison d'un personnage, par exemple, pour m'exprimer, comme je n'ai pas besoin de cette raison d'avoir une maison pour m'exprimer. Je m'exprime dans cette dimension du paysage, que je crois que le pays est assez grand, que le sujet est... le sujet me satisfait. Notre Saguenay, c'est dans les mauves, les violacées et les bleus. Alors, les conifères, cet éclatement de lumière par rapport aux conifères. Enfin, pour moi, ça se transmet dans ces couleurs aussi froides que les bleus. Alors, j'essaie de les réchauffer avec l'atmosphère des blancs que je mets, par exemple. René Gagnon s'est identifié à cette région-là et principalement à la saison de l'hiver, qui est une saison qui rebute beaucoup d'artistes, mais qui, au lieu de lui nuire, l'inspire. Il a su trouver dans l'hiver une beauté que bien d'autres ne verront jamais ou n'ont jamais vue. Ce qu'il voyait dans cette nature qui lui était familière et où dominent les falaises, les caps, les endroits presque des fjords, comme dans les pays scandinaves. C'était fait de grandes surfaces et alors la spatule lui permettait de travailler assez rapidement et de donner cette impression de grande surface abrupte que ne donne pas de petits coups de pinceau. Ça. Alors, la spatule est comme qu'il dirait l'instrument qui était l'instrument idéal pour lui. Où j'ai commencé à peindre, c'était une peinture plus académique. C'était une peinture qui reflétait vraiment l'histoire et l'image de l'objet. Au cours de mes recherches picturales, cette technique s'est modifiée. Quand j'ai découvert les empattements, par exemple, que je passais du pinceau à la spatule, que j'ai découvert les empattements, ce qu'on pourrait appeler la matière d'une œuvre d'art, qu'on pouvait appeler la structure même d'un tableau, alors ça m'a amené à faire de la recherche un peu plus en profondeur. Et puis, cette recherche m'a conduit à utiliser uniquement la spatule. D'abord, j'ai développé cet aspect des noirs et des blancs, les ombres et les lumières. Et ces ombres, les noirs et les blancs, je les mets en couleur, évidemment. Et ce qu'on remarque le plus, c'est cette force
force de cette force lumineuse et la transparence qui passe à travers la matière qui fait un grand intérêt de mon œuvre. Tel que je l'ai connu, il m'a toujours paru être un être à part. C'est comme un lone wolf, si je peux m'exprimer ici. Et puis, il fait une certaine peinture qui lui est propre. Je veux dire par là qu'il y a vraiment un style personnel qu'on peut reconnaître même à distance. Dans la tradition du paysage, il y a, disons, le groupe des sept, Clarence Gagnon, Suzor Côté, qui ont beaucoup influencé tous les autres paysagistes. Finalement, on voit dans les galeries, dans le monde de la peinture, une multitude de sous-groupes des sept, de sous-Clarence Gagnon, etc., etc. Alors, il n'y a que quelques rares peintres qui ont su se trouver un style qui n'est pas le style de tout le monde. Et René Gagnon est un de ceux-là. C'est pourquoi, j'ai dit, il a toujours fait bande à part. C'est pas l'homme des groupes, c'est pas l'homme des écoles. C'est le vrai individu avec un I majuscule. Alors, il me fait plaisir de vous présenter ce grand artiste, René Gagnon. Bonsoir. Je parlerai pas d'émotion parce que je l'ai déjà mis un peu sur mes tableaux, mais je vais vous dire que je peux vous parler d'amour parce que le fait qu'on a vécu ensemble pendant 40 ans, je voudrais me rappeler beaucoup de choses. Je ne veux pas me rappeler des difficultés, mais je veux me rappeler tous ces beaux souvenirs que j'ai eus à partir de ma côte nord, en dessous d'une tente, et pour venir à Montréal, pour venir me présenter mes premiers tableaux à Montréal. Alors, j'étais arrivé dans une galerie qui était à l'époque la galerie Klinkoff, et mes tableaux, je voulais les vendre, je ne sais pas, 5, 6, 10 $. Et puis je me demandais si j'avais bien compris, ils m'avaient offert 45 $ pour un tableau. Et puis je me demandais si je rêvais à cette époque-là.